n'a pas entré directement dans le message de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu pour ce soir. Donc, comme nous dit Nap, enseigné sur le royaume. Donc, toute année, on a parlé du royaume de Dieu. Moi, j'ai eu la chance dans les premiers 3 mois pour nous parler du royaume de Dieu qui s'accueillait. Dans les deuxièmes 3 mois, nous avons parlé des alliés du royaume. Et qu'on y a nous bral considéré, comme nous dit, nous avons considéré les ennemis du royaume. Parce que le royaume n'a pas ennemi également. Dimanche soir, nous avons commencé une étude captivante depuis semaine dernière. Nous commençons une étude captivante sur la personne de Lucifer. La Bible a parlé de Satan. La Bible dit nous n'ignorons pas ses desseins. Gon l'autre verset qui dit nous n'ignorons pas ses manœuvres et ses desseins. Donc l'heure où on a fait avec un adversaire ou pas qu'à pas qu'on adversaire que où on a fait avec là. Lorsqu'on adversaire que wap goumen avèl, eh bien, une première responsabilité, eh bien, c'est chercher qu'on adversaire qui campait devant là. Et semaine dernière, nous commençons à étudier, eh bien, adversaire ça, que qui est-ce que lié? Donc, Satan le diable. Mais nous t'ai dit avant, les patrilés Satan. Donc, nous commençons à étudier qui est-ce monsieur yé, à la lumière de la parole de Dieu, spécialement dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Donc, semaine dernière, rapidement, nous te voyons que Satan est un être créé. Donc, nous voyons que monsieur Seyon est créé. Ça veut dire pas le même niveau avec mon Dieu. Il est un être créé. Deuxièmement, nous te voyons qu'il a été créé parfait. Troisièmement, il a été créé intelligent. Ça, c'est quelques caractéristiques que nous te voyons. Quatrièmement, nous te voyons que Lucifer l'a créé, il était créé beau, il était créé avec un sens musical aigu et il était créé avec la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il était gagné l'onction de Dieu sur sa vie. Donc, nous te apprendre tout ça. Dimanche soir, nous te commencé à entrer vraiment dans la personne de Lucifer. Et moi, t'ai dit 3 bagages au sujet de Lucifer. Numéro 1, moi, t'ai dit, t'es créé comme fils. Donc, Lucifer comme un ange, cela veut dire t'es un statut de fils. Il a été créé comme fils. Donc, c'est le premier bagage que nous t'ai apprendre de lui. Deuxième bagage que nous t'ai apprendre de Lucifer, c'est que non seulement il a été créé comme fils, mais il a été également créé comme roi. Donc, il fut un temps qu'il, premièrement, me démontrons que il fut un temps que Lucifer, il habitait la terre et non seulement il était sur la terre, mais il gouvernait sur la terre. Donc, nous devons lire Ésaïe chapitre 14, versets 12 et 13, côté la parler, la Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, nous t'aurons dans la Bible, chaque expression « monter au ciel » utilisée, c'est toujours de la perspective de la terre. C'est toujours quelqu'un qui est à terre et qui dit « je monterai au ciel ». Qu'il s'agisse de David ou bien de Jacob ou bien de Moïse, moi te montre différents versets, cette expression parle toujours de la perspective de la terre. Donc, le monsieur Campbell dit « je monterai au ciel », cela veut dire, selon ça nous connaît de la Bible, différents versets bibliques que nous gagnons, eh bien, l'implication, c'est que monsieur était sur la terre en ce moment-là. Non seulement monsieur était sur la terre, mais nous t'ai appris en deuxième bagarre par rapport à monsieur, il était non seulement sur la terre, mais nous t'ai remarqué qu'il avait un trône sur la terre. Donc, dans Ésaïe 14, 12, il dit « je monterai », 14, 13, il dit « je monterai aux cieux » et puis qui ça le dit encore, il te dit « je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Donc, non seulement, eh bien, il était
non seulement il était sur la terre, mais il était un trône sur la terre. Maintenant, nous t'ai gardé qui ça yon trônier. Yon trône, c'est le siège officiel du roi. C'est le siège officiel d'un chef d'État, particulièrement d'un roi. Donc cela veut dire que lorsque Lucifer non seulement était sur la terre avant la création même d'Adam, mais il régnait sur la terre. Donc nous t'ai ouais ça. Et nous t'ai apprendre que pendant que Lucifer t'a régné sur la terre, t'ai gagné une civilisation assez avancée. Parce que lorsque la Bible a parlé dans Ésaïe 14, qui a parlé de la chute de Lucifer, elle a parlé de la chute de Lucifer, il dit « Oh, comment tu es tombé, te voilà tombé du ciel. » Et puis il relève Lucifer, le vainqueur des nations. Donc, le moment que l'a parlé de Lucifer, la Bible a parlé de la chute de Lucifer. Il parlait de l'existence des nations. Sous le passage-là, ou après elle parle de nations, ou après elle parle de royaume, et ou après elle parle de peuple. Donc, cela veut dire que si nous commençons à comprendre bien, nous prenons compte que le monde ça, que nous vivons là-dedans, est beaucoup plus ancien que moi-même avant, t'es capable de penser ou bien que nous t'es capable d'imaginer. Alright, donc nous t'es numéro un, Lucifer a été créé comme fils, et Lucifer, en tant que fils, cela veut dire l'idée gérer les affaires de Dieu. Je t'explique les différences qui existaient entre l'enfant et le fils. Enfant, c'est mon qui gagne nature, papa. Mais le fils, c'est celui qui gère les affaires du roi. Il y a un autre terme pour fils dans la Bible, c'est l'héritier. J'en ai dit dans Galates. Donc, voilà, monsieur, nous avons dit que l'écrit a statut de fils. Deuxièmement, nous avons dit que l'écrit a statut de roi. Et troisième bagaille, nous allons l'apprendre de Lucifer. Et je suis arrivé dans Satan, là. Toujours dans Lucifer, toujours. Ça veut dire avant qu'il t'est tombé. Troisième bagaille que nous allons apprendre au sujet de Lucifer, c'est qu'il a été non seulement créé comme fils, il a été non seulement créé comme roi, il dirigeait la terre comme roi, mais monsieur était une troisième responsabilité. Lucifer était un sacrificateur sur la terre. Donc il a été créé comme roi, comme fils. Il a été créé comme fils et il avait deux grandes responsabilités. Premièrement, il était roi sur la terre et il était sacrificateur auprès de Dieu. Sacrificateur dans le ciel. L'œil sur la terre, il fonctionnait comme roi. Mais l'œil dans le ciel, là, il fonctionnait comme sacrificateur. Maintenant, comment nous fait comme ça? Comment nous fait comme ça? Nous comme ça, dans Jean, Lucifer t'est habillé. Le la Bible a décrit habillement Lucifer. Non, la Bible a décrit habillement Lucifer dans Ézéchiel chapitre 28. Lors étudier habillement, où est habillement Lucifer t'est comporté dans ciel là, c'est même habillement ça que Aaron, le grand prêtre ou bien le souverain sacrificateur, t'es qu'on beauté. Donc cela veut dire, monsieur, il n'est pas seulement roi, mais dans le ciel, il fonctionnait comme un sacrificateur. Donc regardez Ésaïe chapitre 28, verset 13, lorsque l'a parlé de habillement Lucifer. En nous toutes liés ensemble, il dit qui ça? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Maintenant, Éden l'a parlé là, c'est pas Éden sur la terre là. L'a parlé de Éden dans ciel là. Ok, donc Éden qui était sur la terre là, c'était un reflet de Éden qui dans ciel là. Donc, il dit quoi ça? Tu étais qui ça? Et en Éden, le jardin de Dieu. Et puis, regardez qui ça le dit. Tu étais couvert, qui ça le dit? De toute espèce de pierre précieuse. Et puis, Kounia, regardez qui ça le dit. Et puis, mais, Libanou, lisse pierre précieuse là. Regardez qui ça le dit. Il dit de sardoine. Il dit de topaze. Il dit de diamant. Il dit de chrysolite. Il dit
d'onyx, l'idée de jaspe, l'idée de saphir, l'idée d'escarboucle, et d'émeraude et d'or. Et puis là, il dit tes tambourins, etc., et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On va le retourner sous ça. Mais est-ce qu'on va lire, remettez lire Pierre, yo encore. Le monsieur habillé, la Bible dit qu'il était un paquet de pierres sous lui. Wash, pierre précieuse, sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, d'or, etc. Qui importance Pierre Sayo gagne? Pour capable comprendre l'importance Pierre Sayo, gardez Exode chapitre 28, les versets 15 à 20. Et 28, verset 15 à 20. Et wap gade là, wap wè, c'est précisément comme ça, sacrificateur là, t'es qu'on habillé. On nous lit ensemble. Il dit comme ça, tu feras le pectoral. Ça, c'est le la parler de Rad Rad Araon. Donc, il dit, l'on a fait pour Rad Araon, pour le souverain sacrificateur. Il dit, tu feras le pectoral du jugement. Pectoral, là, c'est partie qui couvre chest, li comme ça. OK? L'estomac, li. Il dit comme ça. Et puis, il dit, tu enchasseras une garniture de pierre. Ça veut dire, même genre, Araon te gen pierre là, c'est comme ça, Lucifer te gen pierre tout. Et puis, regardez qui ça le dit. Quatre rangées de pierre que l'a gagné sur le pectoral. Ça veut dire sous l'estomac, li comme ça. Donc, l'a gagné là. Et puis, regardez qui ça le dit. Il dit la première rangée. Est-ce qu'on voit qui pierre yoye? Qui ça le dit? Sardoine. Qui côté ouel? Dans Lucifer. Deuxièmement, qui ça le dit de? Topaz, koto tewel, dans Lucifer. Troisième, elle dit émeraude, koto tewel, Lucifer. Quatrième rangée, elle dit escarbouc, koto tewel ça, Lucifer. Cinquième, elle dit saphir, koto tewel, Lucifer. Sixième, elle dit diamant, koto tewel, Lucifer, etc. Après ça, là, elle marque opale, agate, améryste. Après ça, dans quatrième, non, on retourne encore chrysolite, onyx, jaspe, et pour remarquer que différentes pierres ça y est, ça veut dire même genre le sacrificateur Araon l'ité poté des pierres sur son pectoral, c'est qu'on s'attoue, eh bien Satan le diable, pas Satan le diable à ce moment, le poko Satan à ce moment, Lucifer tout, même genre sacrificateur là t'es habillé avec pierres précieuses, il portait des pierres précieuses sur son pectoral. C'est comme ça, Lucifer tout, il portait des pierres précieuses. Bon, bon, yon idée de sacrificateur là, comment t'es habillé? Mettez photo rapidement pour capable ouais, pierre précieuse ça yo. Donc, soit gardez sous l'estomac sacrificateur là, l'œil habillé, ou gado te ouais, 12 rangées de pierres précieuses que sacrificateur là te gagné. Maintenant, pierre précieuse ça yo, pour qui ça sacrificateur là te kon pote yo. Gardez Exode chapitre 39 verset 14. Exode chapitre 39 verset 14. I don't know if you guys have that verse. OK, Exode 39 verset 14. Look that up for me. Now, Exode chapitre 39 verset 14. Pour qui ça Araon te kon pote pierre ça yo, on nous lit ensemble. Il dit comme ça, il y avait 12 et puis il dit d'après les noms des fils d'Israël, elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom des 12 tribus. Donc, le Araon a entré dans le tabernacle. Le Araon a entré dans le tabernacle. Il y avait sur son pectoral, yon cachet, yon bagage sur son pectoral, qui était là, et puis qui t'a gagné 12 pierres là-dedans, qui t'a fait partie de rad que monsieur t'a poté, vêtements que monsieur t'a poté, lui t'a gagné 12 pierres de différentes couleurs. Et 12 pierres, ça, yo t'a représenté les 12 tribus d'Israël. En d'autres termes, qui ça, yo t'a représenté? Yo représenté le peuple de Dieu. Donc, chaque temps rentré dans la présence de Dieu sur son pectoral, il y avait le peuple de Dieu. Donc, où l'on finit comprendre ça dans Araon, l'on va regarder Jean Lucifer t'est habillé, ou après Jean Araon t'est habillé, hein?
On retourne encore dans Exode chapitre 28, Kounia, verset 13, qui a parlé de Lucifer. Même Jean Aaron t'est habillé, ou après elle a dit comme ça, eh bien, tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, etc., etc. Qui sa pierre, ça y a représenté? Y a représenté Moon. Est-ce que l'avait main? Est-ce que l'avait main? Y a représenté Moon. Cela veut dire, à Satan le diable, ou bien Lucifer, pendant sur la terre, l'a régné comme roi, mais le l'a rentré dans la ligue et un trône sur la terre, l'a régné, mais l'aile montée dans le ciel là, sur son pectoral, il représentait les différentes nations de la terre, il représentait les différents peuples de la terre. Ça veut dire, monsieur, avant de tomber, il était roi et sacrificateur en même temps. Il était roi sur la terre parce qu'il représentait Dieu sur la terre comme roi et il représentait le peuple auprès de Dieu comme sacrificateur. Est-ce que l'on avait même? Il représentait Dieu sur la terre comme roi et il représentait les peuples de la terre devant Dieu comme sacrificateur. Ça veut dire, monsieur, tu as gagné un paquet de responsabilités. Maintenant, en tant que sacrificateur, qui sacrifice que Lucifer t'est qu'on offrit? En tant que sacrificateur, qui sacrifice Lucifer qu'on offrit? Parce que Adam pour qu'on péché, l'homme pour qu'on péché, l'homme pour qu'on tombe. Donc, qui sacrifice que le bois l'offrit? Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils viennent offrir agneau, ils offrent bélier, ils offrent pigeon, mais tout bagasse a été représenté Jésus-Christ tabral vient mourir à la croix. Maintenant, pour Jésus vient mourir à la croix, il faut gagner le péché. Or, nous pouvons gagner le péché comme tel. Donc, il est sacrificateur. Donc, qui ça, monsieur, a présenté comme sacrificateur? Gardez le texte là de très près. Ou après qui sacrifice, monsieur, t'es qu'on présenté. Pour capable comprendre sacrifice, t'es qu'on présenté, gardez Hébreux 13, verset 15 à 20. Parce que sacrifice que Lucifer t'es qu'on présenté avant le péché, c'est même sacrifice que moi avant nous présenté aujourd'hui. Hein. Après Jésus fin mourir, pas vin gen boucle, pas vin gen bouc encore, pas gen taureau encore, pas gen pigeon encore pour nous présenter. Mais jodi, regardez qui ça la Bible dit, il dit par lui au fond sans cesse à Dieu qui ça? OK, pas la même. Par lui au fond, my mic change. OK? Did we mute anything? All right? Good. All right. À nous lire ensemble, il dit qui ça? Par lui au front sans cesse à Dieu, qui ça le dit? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire qui ça? Le fruit de lèvres que confesse son nom. Jodia, tout à l'heure, le montre, jodia, moi-même avant nous sacrificateurs tout. Est-ce que ça va? Moi-même avant nous sacrificateurs tout. Mais nous pas présenter bouc, nous pas présenter taureau, nous pas présenter cabrit, qui ça nous présenter? Nous présenter sacrifice de louange à l'Éternel. Donc, Lucifer, avant le péché, entré dans le monde, qu'on y a gardé dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, où il rend nous compte ces mêmes sacrifices que Lucifer était qu'on a présenté à Dieu avant sa chute. Gardez dans Exode, Ézéchiel chapitre 28, verset 13. On lit tout verset 13. On met tout verset. Bon premier verset 13 là. OK, on nous lit ensemble. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alright? Le jardin de Dieu. OK. Alors, m'a expliqué ça encore. Oui, songez bien deux Éden. Apocalypse montrait que gagnons Éden qui existait dans le ciel là et dans Éden ça, l'arbre de la vie dans Éden ça. Est-ce que ça va? Alright, good. Lirez le paradis dans le ciel. Donc, cela veut dire, monsieur, t'es dans Éden céleste, parce que le jardin d'Éden sur la terre pour qu'on crée. Parce que songez là, le jardin d'Éden sur la terre pour qu'on crée n'a parlé de la chute de Lucifer là. Donc, il dit, tu étais en Éden,
le jardin de Dieu. Et puis il dit comme ça, tu étais couvert, qui ça? De toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, etc. De saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ça, c'est pierre qui sous l'estomac, monsieur, comme sacrificateur. Et puis regardez qui ça le dit. Et puis il dit, et tes tambourins, et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc cela veut dire Lucifer était sacrificateur. Mais qui job que bon Dieu t'a bali comme sacrificateur? Qui job que l'Éternel t'a bali comme prêtre? Qui job que l'Éternel t'a bali comme lévite? Li t'a bali job pour apporter des louanges de la présence de Dieu. Job sacrificateur, Job Lucifer, c'était adoré. Job Lucifer, c'était loué. Même Jean les Lévites de l'Ancien Testament, dans le temple de Jérusalem, dans le temple de Salomon, dans le temple de David. La Bible dit, gayon foi, le yotabal inauguré temple. Et puis la Bible dit comme ça, eh bien, les sacrificateurs, ils ont entré dans le temple. Et puis la Bible dit, d'une seule voix, ils ont commencé à dire, loué soit l'Éternel. Et puis que sa miséricorde durera toujours. Et puis la Bible dit, au moment que tout sacrificateur yo, unis, voyons ensemble, yo dit, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et puis la Bible dit, la Shekinah de la gloire, li descend et li nan faï sa là, au point où yo pas de carrete en dedans, yo obligé de déplacer, parce que la gloire de l'Éternel te descend. Qui est-ce qui te râlèl? C'était les sacrificateurs qui te râlèl avec louange que y a porté dans la présence de Dieu. Donc, premier monde qui t'a gagné responsabilité pour présenter louange dans la présence de Dieu comme sacrificateur, eh bien, c'était Lucifer. Donc, il t'a gagné responsabilité en tant que roi et il t'a gagné responsabilité en tant que sacrificateur. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Kounia, bon, aller plus loin avec. Maintenant, moi, je dis comme ça, Lucifer t'a gagné deux jobs. Il t'a gagné job qui ça? Roi, et puis il t'a un job. Il t'a un job, qui ça? Il t'a un job. Alright, yeah. Jusqu'à présent, c'est base, m'a mette pour me faire comprendre la guerre spirituelle. Parce que si vous ne comprenez pas tout le bagage, vous ne pas comprendre le bagage. Vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce qu'on avait même l'église? Bon, faut comprendre nos bagages. Gardez avec. Parce que moi, faut comprendre la guerre spirituelle. Gardez Apocalypse chapitre 1er. OK? Verset 6. OK, from the text. Regardez ce que la Bible dit. Ma pensée, il faut comprendre la guerre spirituelle. La Bible dit comme ça, le Jésus vini. La Bible dit comme ça, Jésus, la Bible dit, il a fait de nous qui ça? Ça, la Bible dit comme ça, Jésus fait de nous. Il a fait de nous qui ça? Des rois. Il a fait de nous rois et qui ça? Sacrificateur. Ah, de Dieu son Père. Ça veut dire, le bon Dieu va le créer nous-mêmes. Ça veut dire, bon Dieu créer l'homme. Premièrement, le créer à son image. Ça veut dire, l'Éternel vient faire petit lit. Et puis, qu'on y a deuxièmement, l'Éternel vient faire roi. Et troisièmement, l'Éternel faire sacrificateur. Est-ce qu'on pense que Lucifer est content? Ça veut dire, tout job, monsieur, qui passe. Mais si il faut comprendre pourquoi ça diable a raï. Pourquoi ça le raï l'homme? Pourquoi ça le raï l'homme? Donc. Office que l'homme a joui, c'est jodi, ou bral comprendre, c'est le monsieur fin fait, rance li fait dans le ciel là, et puis l'Éternel shoote le dehors, et puis l'Éternel remplace monsieur. Il remplace monsieur grandiosement. Il remplace monsieur dans une dimension que monsieur pas arrivé. Levez mon allez, dit gloire. Donc, maintenant, nous bral entrer ça yo en détail plus tard. Même voulait retourner dans job, Lucifer comme roi et sacrificateur. Lucifer, moins du consulté, roi et sacrificateur. Maintenant, la Bible dit yon bagay, comment deux offices ça y ont fonctionné? Comment deux offices ça y ont fonctionné dans temps Lucifer? Sacrificateur et roi en même temps. Mais comment le fonctionner? En nous gardons verset cap et de nous comprendre un petit peu, Jean le fonctionner. Ézéchiel chapitre 28 verset 16. Il utilise un mot qui est intéressant là. Là, en nous lit ensemble, il dit qui ça? Par la grande kounia nous va commencer à entrer dans le péché de Lucifer.
Moi, fin montre qui position monsieur te gagné. Monsieur te roi et sacrificateur en même temps. Koun a commencé à prendre gonti idée de péché, Lucifer. Comment monsieur bral péché? En nous lit ensemble. Il dit qui ça? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Maintenant, gardez le texte là bien. La Bible dit Lucifer, remettez verset 1, la Bible dit Lucifer t'est impliqué dans le commerce. Monsieur est dans le commerce et la Bible dit c'est pendant dans le commerce. C'est pendant dans le commerce, Libral vient rempli de violence. Et plus tard, on va l'expliquer pour que ça, demain, on va l'expliquer pour que ça a été rempli de violence. C'est pendant, monsieur, dans le commerce, il vient rempli de violence et puis il péchait. Et puis il péchait, l'Éternel dit, m'choute au terre. Et puis il faut disparaître dans mon taille moyen ou pas chérubin protecteur encore. Donc, question que nous besoin comprendre là, c'est qui, ça veut dire, Lucifer, t'es dans le commerce. Ça veut dire le commerce. Qui commerce l'étape fait, pour ainsi dire. Maintenant, pour capable comprendre ça, au besoin qu'on ça le mot commerce signifie. En réalité, qui ça le commercier? Le mot commerce signifie échange. Hein? Anglais a dit comme ça. Anglais a utilisé le word trading. But through your trading. Donc, on l'autre version française qui dit à travers tu trafiquais. Donc, le mot commerce qui s'alliait, lors dans le commerce qui s'alliait, il signifie moins bon enveloppe ça ou bam yon dollar. Ou bien m'vini, m'bon bous là ou même ou bam chemise. Commerce signifie échange. M'bon yon bagay. Moi recevoir yon bagay. Moi boy yon bagay, moi recevoir yon bagay. Est-ce que ça va? La Bible dit qu'on ça sac bral fait Lucifer péché. C'est parce que il était non commerce. Li gon commerce, li gen yon échange que il t'a fait, li gon trafic que il t'a fait, té gon monte descendre qui t'a fait et Lucifer té nan mi temps monte descendre ça entre le ciel et la terre. Donc, monsieur était dans mital. Et c'est pendant la fête montée des sans ça, la Bible dit monsieur vient rempli de violence et puis le péché. Donc, question, hein, c'est que Lucifer t'a fait échange. Mais qui ça, monsieur, t'a échangé? Eh bien, les deux fonctions de Lucifer, bah, nous yon idée qui ça t'a échangé. Premièrement, songez-moi de dire que Lucifer t'es roi. En tant que roi, qui responsabilité que monsieur gagne en tant que roi? Gardez Ézéchiel chapitre, gardez psaume 72 verset 1er. Là-bas, responsabilité de roi. En nous lit ensemble, il dit, ô Dieu, ça son psaume de David, ô Dieu, il dit, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il dit, ô Dieu, qui ça? Donne ton jugement au roi et ta justice au fils du roi. Maintenant, ça veut dire, la Bible dit nous comme ça, le yon moun roi, selon le modèle de Dieu dans la Bible, yon roi, c'est pas lui qui fait la justice. Yon roi, lui recevoir jugement. Non, mais bon Dieu, qui ça yon jugement yé? C'est yon décision. Donc, le roi allé, ou non tribunal, ils font jugement, qui sa jugement est, son décision formelle que ont fait. Donc, la Bible dit comme ça que, en tant que roi, il dit, donne au roi ton jugement. Donne tes jugements au roi. Tes jugements signifient, qui sa Seigneur, donne au roi tes décisions, ta volonté, ça v'lé roi a fait, j'en v'lé roi gouverner, donne tes jugements au roi. En d'autres termes, dis roi, comment pour le gouverner, ça pour le faire, qui décision doit faire, comment vous voulez diriger le peuple là. Même Jean-Leur, David te roi, chaque bagaille que le bral, chaque décision le bral fait, la Bible dit, et David,
consulta l'Éternel. Et l'Éternel bat le jugement, l'Éternel bat la décision, l'Éternel montre sa boule fait. C'est la responsabilité du roi. Donc, roi, même Jean-David, a consulté l'Éternel, et puis qu'on y a prend décision, et puis le poté by peuple là. C'est comme ça, Lucifer, en tant que roi, qui responsabilité le gagné, c'est recevoir les jugements de Dieu, recevoir les décisions de Dieu, recevoir la volonté de Dieu, et puis venir sur la terre et exprimer cette décision, et exprimer cette volonté, et renforcer cette volonté sur la terre. Donc, job libre, c'était transmettre à la terre les décisions de Dieu, la volonté de Dieu, les jugements de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, ça, c'est premier bagage qui passait par Lucifer. En tant que roi, il recevait de Dieu les informations. Il recevait de Dieu ses décisions. Il recevait de Dieu sa volonté. Et puis, il transmettait sur la terre. Maintenant, le Lucifer transmet décision sa yo sur la terre. Il transmet, il recevoit les jugements de Dieu, la justice de Dieu. Parce que, gardez texte là encore, Somme 72, verset 1er. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Et puis, il dit, ta justice au fils du roi. Ça fait ça parce que les décisions de l'Éternel sont justes. Donc, quand il y a monsieur recevoir les jugements de Dieu, il recevoir les décisions de Dieu, il recevoir la justice de Dieu, et il transmet sur la terre. Maintenant, lorsque il recevoir décision yo nan mon Dieu, et puis il transmet yo sur la terre, et puis moun mette yo en pratique, quels seraient les résultats, eh bien, de cette obéissance? Eh bien, ce sera la prospérité. Le peuple bon Dieu recevoir parole de lui-même et puis il mettait la pratique. Qui ça le dit? Il dit à prospérer. Dans Deutéronome 28, il dit mais toutes les lois que vous mettez devant, il dit si vous obéissez loi ça yo, eh bien ou pas la queue, ou pas la tête, ou pas en bas, ou pas en haut, ou pas derrière, ou pas devant. Donc le peuple a metté en pratique l'y prospérer. Donc regardez qui ça le dit dans Somme 72 le verset 3, particulièrement la version Osterval. Regardez pour qui ça le dit. En nous lit ensemble, il dit qui ça? Les montagnes et les coteaux, il dit produiront qui ça? La prospérité pour le peuple par qui ça? Par l'effet de la justice. Ça veut dire Lucifer Job lui en tant que roi, c'est recevoir les jugements de l'Éternel, recevoir la parole de l'Éternel, recevoir les décisions de l'Éternel, recevoir la justice de l'Éternel, et puis pour le venir sur la terre, pour le renforcer ça l'Éternel dit, pour le proclamer et renforcer ça l'Éternel dit. Et le proclamer et renforcer, qui résulte à le gagner? Eh bien, la Bible dit, eh bien, les coteaux produiront la prospérité pour le peuple par l'effet de la justice. Donc ça, c'était le premier job que monsieur t'a gagné. Il reçoit de Dieu la justice, et puis il vient exprimer sous la terre, et puis le peuple a béni à cause de volonté, bon Dieu, qu'il a mis en pratique. Maintenant, le peuple a mis volonté, bon Dieu, en pratique. Le peuple a béni. Il a mis volonté, bon Dieu, en pratique. Il a prospéré. Il a béni. Qu'il y a qui sa peuple a bral fait? Gardez qui sa peuple a bral fait. Les yo béni, qui sa yo commandé pour yo faire. Gardez le psaume 22, les versets 28 et 29. Psaume 22, versets 28 et 29. En nous lit ensemble. Les dit qui ça? À l'Éternel qui ça? Appartient le règne. Il domine sur les nations. Et puis gardez qui ça le dit. Les dit, les puissants de la terre mangeront. Et puis il dit, et prosterneront aussi. Les puissants de la terre mangeront et prosterneront aussi. Ça veut dire le Lucifer en tant que roi, responsabilité, c'est recevoir la justice de Dieu, les jugements de Dieu, les paroles de Dieu, la volonté de Dieu. Transmettre-les sur la terre. Leur transmettre-les sur la terre. Et puis, moun yo obéi à parole ça, yo prospérer. Et puis, les yo prospérer, les a
fait yo a bien marché, la Bible dit ils mangeront et ils se prosterneront. En d'autres termes, tant qu'il y a mangé, il y a béni, bagay yo a bien marché pour yo, koun ya ki sa yo bral gagner, yo bral gagner action de grâce. Yo bral bay adoration, yo bral prosterné yo, ke yo bral content, koun ya ki job Lucifer gagné en tant que roi, l'hypothé descendre les la volonté de Dieu. En tant que roi, l'hypothé descendre les bénédictions de Dieu à travers les à travers la parole de Dieu. Koun ya les peuples a béni, koun ya peuple a bral bay adoration. Ma preuve, Job li en tant que roi, c'est recevoir la bénédiction de Dieu à travers la parole de Dieu, parce que chaque temps il portait la volonté de Dieu descendre, et puis peuple à lui-même, li mette volonté en pratique, li béni, et puis là yo béni kounya, yo bral levé voix yo en adoration et action de grâce pour ça l'Éternel fait pour yo. Kounya le peuple sa bay action de grâce, kounya Lucifer besoin transformer kounya en sacrificateur, qui job li bral prend toute adoration sa action de grâce sa, li pa bral kembe youn pou li, li bral repote yo devant le trône de Dieu. Aïe 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 aïe. Est-ce que nous songez dans le commencement d'année, nous t'a montré nous que Eden c'est pas un jardin? Combien de monde qui songez ça? Nous te montrons que Eden c'était un sanctuaire. Eden c'était un temple. Eden c'était l'habitation de Dieu sur la terre. Donc Job monsieur en tant que roi, c'est recevoir la volonté de Dieu et bien qui bral bay bénédiction bay yo sur la terre et puis qu'on y a les peuples à béni, yo bral louer, yo bral adorer et puis Job monsieur c'est pas adoration ça, pas qu'un bel pouli mais vin al en Eden. C'est ça que fait dit tu étais en Eden, le jardin de Dieu où tu habillé ton con sacrificateur, où tu gain lutte ou t'es un tambourin sourd, parce que toute adoration ça yo, même je les sacrificateurs de l'Ancien Testament, yo t'es entré dans le temple pour yo t'es porté adoration peuple là, c'est comme ça Lucifer t'es dû prendre adoration de la terre et puis porter à l'Éternel des armées pour dire à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la magnificence. Job monsieur c'était coordonné l'adoration de la terre, action de grâce, la terre, adoration, la terre. Mais bral gagnon erreur fatale, bral gagnon erreur fatale qui bral rive Lucifer. Pendant monsieur a sauce commerce à Lucifer te qu'on fait, c'est échange à Lucifer qu'on fait, là la présence de Dieu. Il recevoir la volonté de Dieu en tant que roi, en tant que roi, il recevoir les paroles de Dieu, la justice de Dieu, les commandements de Dieu, il présenter à la terre by adoration, il remonter comme prêtre, il descendre comme sacrificateur avec la parole de Dieu et puis il remonter comme prêtre avec adoration bon Dieu. Il descendre avec la parole de Dieu et puis il remonter avec adoration et puis c'est là c'est échange ça monsieur a fait. By the way, est-ce qu'on rend nous compte que moi avec Jodia nous impliquer dans même échange ça tout nous-mêmes qui dans le ministère. Nous-mêmes qui dans le ministère. Lors dans le ministère, ou bral dans la présence de Dieu et puis bon Dieu bral bon yon bagaille pour peuple là. La bon bagaille pour l'église là, la bon yon bagaille pour ministère là, la bon yon bagaille pour HP là, la bon bagaille pour l'autre monde, la bon yon parole de bénédiction, la bon yon bagaille de pendant dans la présence de Dieu, bon Dieu bral bon yon parole, la bon yon prière, la bon yon verset, la bon yon bagaille et puis les monde ça recevoir li bral yon bénédiction pour yo. Ça c'est ou même en tant que roi. Maintenant, les mounsa béni, mounsa bralge tendance pour le jour, oh servante de l'Éternel, oh gloire à Dieu, merci. Gardez Jean, mon Dieu, utilisé. C'est vous-même qui compte prêcher, puis plus passer tout le monde. C'est vous-même qui compte prier, puis plus passer tout le monde. C'est vous-même qui compte diriger, puis plus passer tout le monde. C'est vous-même qui care, puis plus passer tout le monde. Kounia, c'est vous-même qui besoin connaître. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, l'Éternel te boit une parole qui est capable de bénir. Kounia a besoin rapidement transformé en sacrificateur
pour prendre toute louange à Baoua, tout honneur à Baoua, toute adoration à Baoua, et puis pour prendre pour reporter dans la présence, mon Dieu. Pour dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si m'ka font HP, gloire à Dieu. Si m'ka chante un chant, gloire à Dieu. Si m'ka prêche un message, gloire à Dieu. Si m'ka prier pour guérir, gloire. Donc, ou n'a échange l'entour, ou n'a échange l'entour. Ça veut dire, bon Dieu, utilisez. Libre provision pour béni. Et puis, qu'on y a les compliments, vous avez fini. Ou besoin de prière. Et puis, voyez, on part vers le toit. Donc, c'était job ça, Lucifer, t'es gagné. L'itinamitant entre les peuples et Dieu. À travers monsieur, les peuples a béni. Et puis qu'on y a peuple qui a adoration, par action de grâce. Job monsieur c'est pour prendre adoration à monter avec elle. Mais la Bible dit, pendant monsieur a fait échange, parole, porter la parole, porter bénédiction, recevoir adoration. Porter bénédiction, action de grâce, voyez monter. Porter bénédiction descendre, voyez action de grâce monter. Porter bénédiction descendre, voyez action de grâce monter. Pendant monsieur a fait ça, la Bible dit c'est pendant qu'il a fait ça, monsieur vient tomber. Regardez qui ça dit dans Ézéchiel 28, 16 encore. Dans Ézéchiel 28, 16, il dit par, Ézéchiel 28, 16, on nous relit encore, il dit par la grandeur de ton commerce. Et puis il dit comme ça, pendant que je fais commerce ça, échange ça, monter descendre ça, pendant la fête trafic ça, il dit tu as été rempli de violence. Tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi ça violence. Parce que de où est violence, où est la colère. Quelque part, pendant que je fais ça, je fais un coup de colère. Et c'est pendant que je fais ça, qu'est-ce que verset là? C'est pendant que je suis rempli de violence, que je fais un coup de colère. Et puis il dit, tu as péché. Demain, soit je vais entrer dans la question de violence là avec. Mais juste pour capable comprendre ça qui passait un petit peu à soi, pendant que monsieur a monté, l'a descendre, l'a porté bénédiction descendre, et puis l'a voyé à adoration monter, bénédiction descendre, adoration monter, comme moi, l'hypothé bénédiction comme sacrificateur, l'hypothé adoration. Comme moi, il descend avec bénédiction comme sacrificateur, et puis pendant que monsieur a monté, descendre comme ça, et puis Lucifer pensait comment ça passait dans la tête. M'a prend bénédiction, m'a porté adoration. Adoration, ça sentit bon, papa. Hein, adoration, ça sentit bon. Et puis Lucifer commence à penser de tête. Oh, mes amis, j'aime beau, m'parfait en beauté. Hein, m'parfait en beauté. Quand on bat à capronti, on bat à capronti, bah, adoration, ça tout. M'parfait en beauté. M'sonnek qui, m'plein, m'parfait en sagesse. Quand on bat à capronti, on tibaye tout. Même si m'bat à jeune tout bala, m'bat à jeune tibaye tout. M'est parfait en beauté. M'est parfait en sagesse. Moi, c'est le chéri bien protecteur. Moi, c'est le chéri bien ouin. Ça a gagné la bagarre. Depuis, monsieur, pendant que je suis porté adoration, mais la Bible dit qu'on s'agro quand elle arrive, l'icône commence à poser comment moi-même qui parfait en beauté, et puis m'bat à jeune aussi adoration. La Bible dit c'est pendant la fête transaction ça, les péchés. Et c'est pendant bagala passé devant Dieu, demain soir m'va l'expliquer plus en détail, mais c'est pendant bagala passé devant Dieu et puis qu'on y a en dedans, il commence à faire colère. Donc il garde l'oué adoration à passer en banel et puis le pas qu'à prendre adoration ça. Et puis monsieur commence à ou pas qu'on a un grand monde qui a un problème à vol, pas dit rien, hein? Il pas dit rien, mais depuis vous gardez le où elle semble le monde qui a explosé. Lucifer pas dit rien, hein? Même dans quel la a explosé. Con violence, et puis c'est dans violence ça. Il dit tu as péché. Donc, en d'autres termes, chers amis, demain soir, je vais apporter plus en détail. Mais qui s'accrase Lucifer? Chers amis, ça crase Lucifer. Un péché qui crase Lucifer, c'est l'envie. Un péché qui crase Lucifer, c'est la jalousie. Qu'on côté Lucifer rivé, Lucifer vient jaloux de bon Dieu. Il vient sentir pour Jean le parfait. Il vient sentir pour Jean le bien créé. Il vient sentir pour Jean le bien campé. Yo pa ka a bal fond a monter descendre entre louange et l'adoration etc. Mgon ti bagay, n'te ka joine non ti bagay et tout. Et puis la Bible dit bagay la fait en dedans cœur monsieur, il commençait péché. Donc gon côté Lucifer vin envieux bon Dieu.
Donc, qui ça nous a apprendre de ça, nous expliquer nous là à soi? Mais leçon pratique, nous pas apprendre. Nous avons apprendre. Pas jamais jouer avec jalousie. Pas jamais jouer avec envie. Ça que fait Lucifer, il passe. Ça que fait monsieur transformer de Lucifer en Satan, c'est envie, c'est jalousie qui transforme monsieur de Lucifer en Satan. L'œil au monde jaloux monde. L'œil au monde jaloux ça l'autre monde gagné. L'œil au monde jaloux bénédiction l'autre monde. L'œil au monde jaloux statut l'autre monde. L'œil au monde jaloux privilège l'autre monde. Si Lucifer était parfait et puis il t'a vienne tourner Satan aujourd'hui, jalousie transformé, il fait tourner un bête, un monstre, pas gain monde jalousie pas qu'à transformer. Veillez cœur. Dans la vie, il ne faut pas jaloux. Amen. Lucifer, demain soir, je vais expliquer aux bagages. L'orgue jalouse ou vient tout le monde à l'ou fatimé moi. Yeah. L'homme jaloux vient ingrat. Moun n'a gédo à venir, il vient ici, il n'y a pas de personne. Ou prend la caillou. Ou régler tout bagaille pour lui, ou aider dans le pays à 100 mounes, etc. Ou bal tout coup de main qui gagne, etc. Et puis, comme moun nan gade l'oué à fort marche bien, et puis moun nan jaloux, et puis il veut craser. Et puis il oublie tout bien. Lucifer, ils vont côté tellement jaloux, l'oublie, c'est bon Dieu créé. Jalousie a tellement rempli cœur, l'oublier que bon Dieu créé. Là m'rivé dans semaine là, nous fait semaine là, m'va l'expliquer ça parce que la Bible parle de violence. Gon côté monsieur vinn rivé, demain soir m'va l'entrer là-dedans, li commencer avec orgueil monsieur, orgueil là parce que orgueil a commencé beau petit garçon, beau. La Bible dit par ta beauté et puis il dit cœur élevé, beau petit garçon, bien bala. Nous sont être de lumière, moi c'est Lucifer. Garde j'aime que pour qui ça me pas qu'à joindre adoration de orgueil là living by de orgueil là living by colère parce que tout monde qui orgueilleux toujours a fait colère. On va attendre ça m'a dit là monde qui orgueilleux toujours a fait colère. Ça fait ça monde n'en connaît son paquet à faire lié n'importe si bagaille qui passait li gata fâché le fusqué etc parce que le connaît son paquet à faire lié. Orgueil mène colère et colère mène violence. L'œil au monde en colère, li vient mène violence, li capable violence verbale, li capable violence physique. Moun nan ka violent ak parole li, li capable violent en action. Donc koko côté risque Lucifer arrivé, orgueil rempli cœur et puis kounya puisque orgueil là, nan orgueil li, li senti que nan bagage sa cap, nan trafic ça l'a fait, li pa ka nan dimension ça et puis pour seul bagage bon Dieu bali fait et puis c'est porter bénédiction et puis remonter adoration sans va joindre rien là-dedans kakou, c'est l'Éternel qui pour recevoir toute adoration, orgueil rempli et puis il menait envie et puis envie à le faire planifier un coup d'état contre l'Éternel parce que leur envie a entré dans le cœur. La Bible dit qu'on s'est rempli de violence. Si l'Éternel pas d'accord, ben moi le consa, m'a baillon coup d'état, m'a fait par la force. Si l'Éternel pas voulu, bam, quelle adoration, m'a prend adoration par la violence, c'est qu'on s'a planifié un coup d'état contre l'Éternel. Chers amis, fais attention avec envie, fais attention avec jalousie. Nous allons rentrer dans la prière, même les bons quelques conseils pratiques dans la question en jalousie. Jalousie, c'est bon bagage ou jouer avec. C'est bon bagage ou jouer avec. Envie, c'est pas bagage ou jouer avec. Jalousie, ou pas jouer avec ça. Il y a plusieurs raisons pour éviter jalousie. Numéro un, ou besoin qu'on ait que jalousie, dans tout péché que nous sommes capables de faire, jalousie, c'est un péché qui est terrible. Parce que plus fort péché que nous faisons, il enjoy. Est-ce que vous avez ça m'a dit là? Ah, pas la même, non, pas la même. Péché douce. Péché douce, c'est conséquence péché pas douce. À la même.
Péché douce. C'est conséquence péché, il n'est pas douce. Puis il faut péché douce. Il y a un café adulte qui a fait fornication. Ah, mon cher, j'ai bien mené son péché douce. La Bible parlait de la gourmandise, excès de table. Au monde qui doit manger, qui ont péché, mais les gens qui mangent, ils font excès de table. Mais ils enjoy excès de table. Les gens qui boivent, qui souffrent, mais enivré, à boire soua, c'est un péché. Mais les moun a boire, l'enjoy boire, les la manger, l'enjoy manger, les la fait adulte, l'enjoy manger. Même tripotaille douce. Puis faut péché, même tripotaille douce. Ou pas, ouais, quelquefois, il y a un moun a pris un tripotaille. Ouais, j'ai le gâteau ça. Ben moi, non, petit, ben moi. C'est comme ça, petit. Ou senti la manger, ou senti la enjoy parole. Faut péché douce, c'est conséquence péché pas douce. Majorité de péché douce, mais jalousie lui-même, c'est une péché. Aïe aïe aïe, c'est une péché, c'est une péché. Même l'on a fait péché, on pas enjoy. L'homme on a fait jalousie, ou senti bagarre manger en dedans. C'est une péché pas douce. Depuis l'on a fait péché, on commence à souffrir. Depuis l'on a fait péché, on commence à souffrir. Vous sentez la manger en dedans. Moun ka fait adulte à enjoy tête li, moun ka boy à enjoy tête li, moun ka fait tripota à enjoy tête, mais moun ka fait jalousie à pas enjoy tête li, bagala ta kon acide ka manger. Donc you n'a pas besoin de connaître l'autre monde qui est jaloux ou jaloux de sort l'autre monde, ou jaloux de prospérité l'autre monde, ou jaloux de bénédiction l'autre monde, ou jaloux de onction l'autre monde. You n'a premier bagage il fait il détruit ou en dedans. Regarde ça la Bible dit par rapport à la jalousie non. Mettez Proverbe chapitre 14 verset 30. Can you find it in Creole? Dans Proverbe chapitre 40 verset 30. La Bible relait la jalousie, la Bible relait en nous lit ensemble, il dit qui ça? Il dit un cœur calme, il dit est la vie du corps, mais il dit l'envie qui ça est la carie des eaux. Can we find it in Creole? Can you put it in Creole? All right? En nous lit ensemble. Il dit qui ça? Les ou gen qui a posé ou qui ça? Ou qui a bien commencé, mais les ou envier son l'autre moun. C'est tant qu'il y a une maladie qui a mangé ou dans zo. Envie, jalousie, l'orgue jalousie au sujet de l'autre monde. Li tout non maladie qu'a mangé zo. Donc envieux sur l'autre monde, son bagage pour moun éviter. C'est bagage ça tout qui transforme Lucifer en Satan. Parce que t'es envieux sur bon Dieu. Le monde envieux sur l'autre monde il détruit. Deuxième bagage là envieux sur l'autre monde. Jalousie, c'est une empêche non seulement le détruire, mais l'elfine, non seulement le détruire, mais pendant la détruire, là, il faut détruire tout le monde qui est autour de vous-même. Jalousie, c'est une empêche qui faut détruire le monde qui t'a aidé dans la vie. Est-ce qu'on rend compte dans la vie, généralement, nous pas jaloux, le monde nous pas connaît? Pas la même. Nous pas jaloux, nous pas connaît, non? Ou mettre prend magazine là, et puis ou lit que Monsieur Bill Gates li gagne 100 milliards de dollars. Ça pas du rien. Yo dit mettre Amazon nan li gagne 160 milliards de dollars. Ça pas du rien. Yo dit Monsieur Trump gagne tel valeur l'argent. Ça pas du rien. Mais si cousine ou achète une machine neuf et pour pas qu'à dormir. Si cousine ou achète une machine neuf et pour pas qu'à dormir. Et puis, second problème, qui est-ce qui a plus vilé d'eux? Est-ce que c'est Bill Gates? Est-ce que c'est Jeff Bezos? Est-ce que c'est pas grave? Second problème, ou besoin de l'argent pour prêter? Qui premier? Est-ce qu'on a l'adresse à M. Bill Gates ou pas capable? Qui moun qui premier candidat pour t'aider? Moun nous connaît, tandis que c'est lui ou l'écraser? Yon moun qui jaloux, son moun qui a toujours pauvre dans la vie.
son monde qui pas jamais rivé à ken côté parce que tout le monde qui t'a aidé, tout le monde qui t'a longé mes bali, tout le monde qui t'a bali un boost, il détruit tout. Jalousie c'est pas pour loin, non, il faut détruire. Il faut détruire maman, ou papa, ou frère, ou soeur, ou cousine, ou amis qui le vit avant longtemps. Tout le monde qui vous connaît longtemps, qui a fait confiance, jalousie, il faut détruire le monde qui prend. Caïn, c'est pas ton étranger, il te touille. C'était Abel. C'était Abel, propre frère. Il était jaloux, ses propres frères, il était détruit. Siméon, Lévi avec Issachar, etc. Ce n'est pas l'autre monde qui a été détruit. Non, c'était Joseph qui a été détruit. Jésus-Christ, c'est pas les Romains non, qui te crucifié. Ce n'est pas les Grecs. Non. Les Grecs, non. La Bible dit il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas. C'est le peuple qui crucifié encore. Moun parle qui crucifié là. Parce que la Bible dit comme ça que les autorités juives étaient jaloux, monsieur. À cause de popularité, elle était gagnée. Les autorités juives étaient jaloux, monsieur. La jalousie faut détruire les gens qui prennent. Et la jalousie tout, li ba yon porte où Satan le diable entre. Donc, comment nous capables faire? Maintenant, avant de rentrer dans la prière, bambo quelques conseils. Bambo quelques conseils qui capable aider nous gérer la jalousie pour pas envieux sur l'autre monde. Ma bon 5 conseils rapidement qui pour aider nous. Parce que jalousie terrible, si Satan existait aujourd'hui, c'est parce que Lucifer était jaloux, mon Dieu. Il était jaloux, adoration, mon Dieu. Comment fait tout ange dans le ciel là, c'est sous monsieur seulement, il focus. Et moi-même, tout. Et moi-même. Jalousie. Jodi Alvin tourner Satan. Donc, bambo quelques conseils qui pour aider sous senti jalousie dans la vie. Numéro 1, pour capable combattre la jalousie. Numéro 1, vous besoin de nous compte que la jalousie est un péché. Dit péché. L'envie est un péché. Envieux sur l'autre monde, c'est un péché. Dans Galates chapitre 5, le verset 21, vous capable de mettre le labai, Galates 5, verset 21, le labai liste les œuvres de la chair. Et puis, regardez qui ça le dit. Donc, regardez le premier bagage qui est dans la liste là. Les œuvres de la chair, c'est qui ça? Premier qui est dans la liste là, c'est qui ça? C'est qui ça? La Bible est les œuvres de la chair. Il est les péchés. Donc, sous dans l'église, vous regardez où est jaloux ou jaloux l'autre monde. Ou jaloux ce ça. Parce que nous t'es mis ensemble. Et voici les mariés. Et puis, moi-même, là, m'attend toujours. Et puis c'est gado ouais gon tête chargée de pété. Vous dites mademoiselle, pas qu'on est depuis fil fin marié, il gon c'est là haut gang sur lui pas vrai. Jalousie clan cœur. Jalousie clan cœur, jalousie dans fiel. Chers amis, gon verset dans la Bible qui dit comme ça et crier avec moun k'ap crier et réjouir avec moun k'ap réjouir. Moi rend moi compte premier partie verset à facile. Oui, mais pourquoi vous m'avez dit que pas un problème? L'homme vini, l'homme vini et l'homme qui mourit, c'est très facile pour tout le monde paraître dans l'enterrement et pour tout le monde crier. Au contraire, enterrement, c'est enterrement qui est plus de monde que mariage longtemps. Les gens qui crient, tout le monde là pour crier, parce que ça fait crier n'est pas difficile, non? Crier n'est pas difficile. L'enfant a bien marché, l'enfant a mal marché et puis il y a un divorce qui va le mettre. C'est très facile pour tout le monde crier. Crier n'est pas difficile. Ça difficile là, c'est réjouir. Avec, réjouir avec le monde qui a réjoui. Ou là, dans le tabernacle là, depuis 15 ans, depuis le tabernacle là, fête, ou là, dans 15 ans, etc. Ou attendre pour bon Dieu, boy, yon, etc., 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 etc. Regardez, et puis il y a un petit servant même, il fait venir là. Comment même. Pendant Covid là le débarqué, Il débarqué pendant Covid, li, même si PS li boko fin clé ou même ou American citizen. Et puis kounya a frère Michael paraît avec cheveux bouclés, bel petit garçon, etc. Sou qui est li tombé sous.
sous l'être sous l'autre servante là ou même ou là ou attendez bien et puis sous l'autre servante là c'est sous là et vous te quand tu as les yeux sous frère Michael ou te quand tu as web sous ta main ou te quand tu as web que d'ailleurs comme monsieur le Michael ou tu es ange Michael qui te descend dit this is your Michael I am Michael but this is your Michael. Oui, ou t'es quand t'as ouais tout d'ailleurs comme ça. Oui, ou est ange qui vini, qui mettait mon en main, et pour un bague qui suspendu l'on nuage. Et puis il dit, ceci est os de tes os et chair de ta chair. Regarde où est Michael avec qui, comprenement, qui est cela l'oué. C'est l'autre servante là qui gagne 2 mois, au comprenement. Dans Covid, là, le barrette, anglais, le beaucoup fin clé, papier, le beaucoup fin clé, qui est-ce l'oué, c'est lui-même. Et puis qu'on a ces gado gado ou mariage rangé et puis qui est servante allemande pour marier un mariage là ou même. Oh, regardez, faut qu'un pile Saint-Esprit pour qu'elle contente un mariage, attendez. Ah, faut qu'un pile Saint-Esprit, faut qu'un pile bon Dieu en dedans. Faut qu'un pile bon Dieu en dedans. Donc, où besoin rendre nous compte, chers amis. Hein? Ou besoin de rendre compte que l'envie c'est un péché que lié. Donc ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, ou besoin de faire qui pour aider contre l'envie. Non seulement besoin de reconnaître comme un péché. Deuxièmement, ou besoin de prendre contrôle cœur. Leur envie a entré, ou besoin de camper pour dire non, envie ou pas entrer dans le cœur. N'importe monde capable envieux, mais ou dit non. Ou dit non. Regardez Proverbe chapitre 23, verset 17. Proverbe chapitre 23, verset 17. En nous lisant ensemble, il dit qui ça? Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'ils aient toujours là, qu'ils aient toujours la crainte de les. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Ça veut dire, l'orgueil envie dans le cœur, la crainte de l'Éternel sortit. Donc c'est ça qu'elle dit, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'on toujours ait la crainte de l'Éternel. Donc, qui côté envie chita dans le cœur? Et son bagage pour. Et son bagage pour. Pour fight contre lui. Son bagage pour fight. Son bagage pour goumer contre lui. Cœur, faut toujours veiller ton cœur contre l'envie. Pour toujours veiller ton cœur contre l'envie. Parce que si vous ne veillez pas cœur contre l'envie, dans un moment comme ça, la glisse entre sous. Même si vous n'avez pas envieux de nature, des gens qui envieux de nature, c'est leur combat constant. Mais des gens qui pas nécessairement envieux de nature, mais même leur pas envieux de nature, faut veiller que. Moi, bon Dieu fait mon grâce, je pas envieux de nature. Bon Dieu fait grâce à, peu importe ça, on gagne, ça pas garder même. Ça qui est important pour moi dans la vie, c'est qui sa bon Dieu dit qui côté le voulait aller à Vem. Depuis sa bon Dieu dit dans côté le bras aller à Vem, non? Yeah. Depuis sa bon Dieu dit, moi-même focus sur sa bon Dieu ban moi. You n'a pas fait, on pas aimer comparer tête moi à l'autre monde. Me comparer tête moi à sa bon Dieu dit. Yeah. Me comparer tête moi à sa bon Dieu dit. Je ne pas comparer tête moi à l'autre pasteur. Je ne comparer tête moi à la vision que bon Dieu ban moi pour tabernacle. Yeah. C'est comme ça me fonctionne. Mais cependant, bien que ce n'est pas un bagage qui nécessairement dans la nature pour pas vieux moi. Me rivé dans yon me songe bien dans yon caisse bien particulier, me rivé et puis soudainement envie envahir. Je ne pas même rendre compte de ça. Nous sommes le tabernacle de gloire. Faites commencer. En tant qu'église, etc. Bon, pas dit faites commencer. Nous avons gardé à peu près 5 ans d'existence, etc., etc. Et puis, tabernacle, la bagaille, n'a goumé. Le ça, c'était, nous avons dit avant, nous avons radio chez Kina, n'a goumé, etc., etc. Pour faire tabernacle grandir, pour faire tabernacle avancer, etc., etc. N'a fait tout ça, capable. Ma passé tant en jeûne. C'était même époque. Nous sommes, je me dis une fois, et m'a prié pour bon Dieu. Banou, ma prière me dit Seigneur, for Banou ville ça, ville de North Miami. Me dit Seigneur, for Banou ville North Miami. Et puis qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu dit comme ça, est-ce que vous voulez influence dans ville là? Me dit oui. Et puis qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu dit mais qui soit bra le faire? Ou bra lever chaque nuit
de 7, de 10 heures du soir à 5 heures du matin, pendant tout le monde a dormi, ou bral marcher dans la ville là pour prier. 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 Et puis l'Éternel dit comme ça, c'est comme ça qu'on a gagné la ville là. Marcher dans la ville là. Donc, les soirs, bagasse à eux, donc l'homme vient de l'église, vient de travailler, etc. Et puis, les après-midi, en 3 heures et 4 heures, en 3 à 4 heures, m'entrer pour manger et puis me font y reposer. Après ça, le soir, je viens dans le service là. Après, je suis dans le service, coup service fini. Et puis, je commence à marcher dans toute ville là, à prier dans la nuit. Donc, il y a des gens qui habitué toute qualité de monde. Donc, dans les soirs, je viens toute qualité de monde là. Je viens de monde fou, je viens toute qualité. De moi. M'a prié. Je fais ça pendant longtemps, pendant des années. Marcher là et puis prier. Et puis je me suis dit, c'est pendant l'époque que ça m'a prié. Je me dis, Seigneur, faut battre nos villes là, faut l'église là grandir, faut tabernacle de gloire grandir, faut nous gagner des âmes pour Christ, etc. Mais ça me dit peut-être quelques centaines. Mais Seigneur, etc. Faut l'église là grandir, faut, etc. Donc m'a prié dans la nuit. Et puis ils ont le mal visité yon zamim, yon foi, etc. Yon côté qui te gon l'église. Mais l'église là a avancé, l'église a bien mené, l'église a ouvert, l'église a plongé sur des milliers de personnes même. Et puis, m'a parlé de waouh, comment le gon croissance exceptionnelle. Et puis, m'a parlé avec, m'a dit, mon chocade, ouais, Jean l'église a grandi là. Ouais, Jean l'église a grandi là. Il dit, bon, gardez Jean l'église a grandi. Il dit, même prier, m'a prier. Jésus a dit, ouais, Jean l'église a grandi, elle même prié, m'a prié. Ouh, monsieur. Là, monsieur dit, ça me sentit son coup de couteau, m'a. Non, Kounia, après, etc. Bah, la prend, mais elle fait mal, m'a dit rien. Kounia, m'tende, la prochaine fois, m'a dévotion pour m'a fait parler avec l'Éternel. Kounia, mal parle avec l'Éternel, m'a dit, l'Éternel, est-ce que ça avait mon problème? Et où fait pas dormir en nuit? De 10h du soir à 5h du matin, n'a pas marché parce que quelquefois, l'on a prié, ou t'as pas encouragé, si pendant a prié, ou un résultat. Si pendant a prié, combien de monde a fait, hein? Quelquefois, t'as pas encouragé, si pendant a prié, ou un résultat. Mais quelquefois, l'on a marché avec mon Dieu, ou chital, d'où font bagarre, ou a fait, et pour pas, ouais, Timari, pas descendre. Donc, m'a fait 10h, 5h du matin, mais rien, pas de rien. Là, l'église là qui change, c'est un service normal, même valeur mon Dieu. Et puis, je me dis, Seigneur, m'a fait nuit, et m'a fait nuit à prier, etc. Et gardez, monsieur, lui-même, dit pas, même prier. Garde comment multiplier, monsieur, pas même prier, même. Et puis, moi-même, m'a fait tout ça dans la prière, même garde ou pas garde. Et puis, bon Dieu dit, ah, et pour gros l'église où t'as prié? Bon Dieu m'a dit, mais est-ce que c'est pour gros l'église où t'as prié? Ou bien est-ce que c'est parce que moi mes présences li? Bon Dieu m'a dit, est-ce que c'est pour gros l'église m'a prié? Ou bien est-ce que c'est parce que men joy présence? Et puis cool dit ça, m'a rendu moi compte, jalousie te rempli comme ça m'a pas rendu moi compte. Et puis me dit, Seigneur, m'mande pardon. M'a prié pour son cab à moi. Je prie pour mon courrier pour moi. Même sous ta jambe, rien. Présent sous pichet, passe l'homme. Présent sous pidouce, passe miel. Tout le monde qui goûte, il est comme ça. À la ou bon, Seigneur Jésus. Ça me passe tant la présence. Mais veillez cœur. Souvlez. Fais attention à la jalousie. Veillez cœur toute la journée. L'homme pas pensé, jalousie capable d'entrer sous. Troisième bagaille, qui besoin cap et dos avec la jalousie. Non seulement besoin contre son péché et repentir de lui. Non seulement besoin veiller cœur. Troisièmement, ou besoin qu'on ait chaque monde qui a succès dans la vie. Avant ou jaloux monde pour succès le gagner. Songez le bon prix le payer. Elle qui a payé prix ça en bien ou en mal. Mais l'on a un succès dans la vie, songez le bon prix. Et gen moun prix yo paye à ce travail que yo travail. C'est dans le désert là yo passé 40 ans dans le désert.
Yo passé 40 ans dans le désert. Yo passé 40 ans dans le désert. Et puis après un temps, bon Dieu fait yo grâce. Mais en pile fois, en pile monde, besoin sorti en Égypte, entrer dans Canaan sans yo pas passer dans le désert. Donc, en pile fois, gen moun qui passait, yo passé tant, bon moment de désert. Bon moment de dans toute vie, bon moment de désert. Au mariage ou est qu'a bien marché jodi a, yo gen 25 ans mariage et pour a bien marché et pour tout bagage et pour un vieux mariage moun sa yo. Mais yo passé dans désert. Ou pas là, mais vous passez dans le désert. Mais quand vous regardez, monsieur a bien campé, bien bagay, mariage, vous sentez senti ces nègres sont à remettre gagner. Mais est-ce qu'on t'est passé misère avec les servantes, t'as passé misère avec? Donc, conseil de mesdames, quand vous avez besoin de nègres, faites et fournis. C'est longtemps, oui. Longtemps, le monde était jeune, monde ou besoin de un jeune petit garçon, même l'âge avant, et puis pour nous faire la vie ensemble. Mais ça joue si bien qu'on ne presque pas parler même. Son affaire de nègre tout paré. All right. Faut qu'on ait un prix pour succès. Succès, il y a un prix. Donc, avant jaloux de yon moun, cherchez qu'on est qui route que l'été passé pour le rive côté le rive jodi. Et est-ce que vous même tout ou prêt pour passer dans même route là? Moi, on fait dans les TDJ que ça prêche. TDJ que ça prêche. Et puis il dit comme ça, I love it when they come to me. They say, Jakes, et longez mon soin, I want a double portion of your anointing. Il dit comme ça, we're going to run it again. Ok, Jake, besoin d'une double portion de ton onction. Mais il dit comme ça, oui, double portion de bonne onction. Double portion de bonne onction signifie double portion de problème que me passe, double portion d'immunation, double portion de tentation. Donc, on a juste besoin. On y paraît sans sacrifice, on y paraît une soirée, et puis je vais allonger mes sous, je vais gagner toute portion de l'onction. Ça a un prix. Donc, il y a des gens qui veulent enjoy, qui ne payent pas un prix. Il y a des gens qui payent un prix dans le sens positif. Il y a des gens qui payent un prix dans le sens négatif. Parce que il y a des gens qui gardent un succès, qui payent. Il fait des années de travail sans que moun pa konnen pour le river côté le river. Gen moun yo même, c'est gros job yo prend. Gros bac yo prend. Gen moun qui semble qui gen succès, la journée semble la bien menée, mais nan nuit pa gen la vie. Pa gen la vie. Parce que sa couche côté le sous cabane effrayant. Chaque coup côté couche côté le sous cabane n'a pas moun. Donc dans la vie ou pas jamais envieux sort l'autre monde parce qu'on pas qu'on prie. Donc toujours penser à prier, ça pour retirer envie la caillou. Quatrième bagage capé de yon moun capé d'eau par rapport à l'envie. Ou besoin qu'on ait nous c'est un seul corps. Dans 1 Corinthiens 12, 20, la Bible dit comme ça, nous tous nous sommes un seul corps, le corps de Christ. Nous besoin, yon n'a baga qui tue en ville à caillou, c'est lorsqu'on gagne esprit d'équipe. Ou besoin gagne esprit d'équipe. Le yon équipe football a joué. Le yon équipe football a joué. Est-ce qu'elle fait trop de différence qui est-ce qui fait goal? Hein? M'gèlo à la défense. Si m'nan défense, ça veut dire m'gèlo à jouer dans la défense là, et puis m'fait toute carrière moi, m'pa jamais fait goal. Parce que m'pa jouer devant, c'est derrière m'a jouer. M'gèlo à faire 10 ans dans l'équipe là, m'pa jamais faire un grand goal. C'est dans la défense moi. Mais chaque temps équipe là gagne, m'gagne.
Chaque temps équipe la gagne qui ça? Chaque temps équipe la gagne qui ça? Donc ça veut dire si nos familles, nous avons toujours besoin, nous avons toujours besoin infirmière et puis pour une raison pour l'autre, mais peut-être ça pas réalisé, etc. Et une responsabilité ça pas réalisé et puis c'est une nièce moyen qui vient et puis c'est lui-même qui est infirmière, lui diplômé magna cum laude dans grande université et puis la gradué comme infirmière. Nous pas besoin de jalousie à manger parce que la gradué comme infirmière et puis pour m'a dit ça que t'es gars là. Nous besoin ouais c'est que mademoiselle c'est une nièce moyen lié et puis la gradué comme infirmière, ça veut dire famille à pleuver. Famille à pleuver. Famille, chaque graine qui gradue, famille à pleuver. Chaque sac achète ton caille, même si c'est pas moi qui ai acheté caille là, mais chaque monde qui achète caille dans famille à lever. Chaque monde qui diplôme dans famille à lever. Chaque monde qui bien marié dans famille à lever. Li pas besoin c'est moi l'arriver. Raison de gagner pour l'autre pasteur, bon Dieu a béni. Mais les bon Dieu bénissent l'autre pasteur. Gloire à Dieu. Tant que pasteur a béni, ça veut dire le royaume de Dieu a avancé. Tant que l'église a grandi, le royaume de Dieu a avancé. N'a pas sauvé plus, n'a pas bougé Jésus. Quoi même qu'a fait jaloux, yon l'autre pasteur, bon Dieu a béni. Son bagage sort. C'est quand vous avez une équipe. Et puis, quand je vois que faire goal, et pour gagner match là, et pour faire nuit là, ou à crier, ou pas dormir, ou à faire colère, parce que c'est pas où que tu fais goal. Là, yon l'autre haïtien fait un bon bagay. Là, l'autre haïtien fait un bon bagay. M'a pas besoin de fâcher. Dès quelquefois, nous-mêmes, haïtiens, nous pas de problème. Toute l'autre nation met à pleuver. Blanc met à faire affaire. Vous comprenez, nous pas de problème. Spano a béni. Ça pas de problème. Vous comprenez, Cubain a bien mené. Chinois a bien mené. Pas de problème. Mais depuis selon l'autre haïtien qui gon business cap marché, toute l'autre haïtien veut détruire. Guess what? Figi me lève. Figi me lève. Et pas restaurant lié. Non, mais figi me lève. Mais nous sommes peuple qui manque esprit d'équipe. C'est nous pour toujours devant, c'est nous pour toujours paraître, c'est nous pour toujours gagner. Bon, bagay. Plutôt, vaut mieux être la queue d'un éléphant que d'être la tête d'une mouche. Vaut mieux ou c'est que yon éléphant. Ou pas qu'on dit gros son que yon éléphant? Yon? Vaut mieux c'est que yon éléphant qu'on tête yon mouche. Mais gen moun, c'est lui pour la tête, c'est lui pour devant, c'est lui pour parler. Même si son mouche, mais c'est lui. Moi, it's me, on mouche lui. Li pa regle en ken an, li pa fè en ken impact, li pa fè en ken menè, pa gran yon seye kap regle, mais c'est moi ka la tête. Nan la vie, ou besoin esprit de kip, d'équipe. Ou besoin lè yon lot fon gol, même si c'est pas moi, nan équipe là, c'est nous tout qui fait gol là. L'on a ici levé, nous toutes levés. Cinquième conseil que m'a baou, kapede ou avec envie. Quittez l'autre monde servir d'inspiration. Là où yon moun gen succès, au lieu où essayer craser moun nan, fait moun sa servir ou d'inspiration. Fait moun sa yon modèle pou. Au lieu quitter en d'autres termes, là moi yon moun ap monter, au lieu me râler le descendre,
Puis ton t'a dit comme ça, waouh, qui ça le fait pour le monter? Mais s'il monte, m'ka monter tout. S'il diplômé, m'ka diplômé tout. S'il a l'école, il gradué, m'ka gradué tout. Si bon Dieu qu'a servi avec elle, bon Dieu qu'a servi avec tout. M'te toujours bay témoignage comment commencer prêcher, c'est ton prédicateur moi qui t'a prêché bien. Et puis me dit Seigneur, sou qu'a servi avec elle, ou qu'a servi avec tout et c'est ça qui fait 30 ans plus tard ou bien 32 ans plus tard, voilà m'a prêché l'évangile parce que jeune prédicateur ça t'est venu prêcher là, au lieu m'te rivé devant et puis m'a critiqué, m'a parlé le mal pour me dire ça monsieur pensé le là, la fait chair les bien sous chair. Si ça m'a dit pas d'arriver à quel côté. Mais je vois monsieur a parlé bien, l'a parlé avec une éloquence, l'a parlé avec une onction, l'a parlé avec une présence et moi des milliers de monde qui a touché. Me dit Seigneur, sous qu'a utilisé monsieur ou qu'a utilisé tout. Donc au lieu monde qui a un succès à l'ivignon objet de critique pour moi, l'ivignon objet d'inspiration pour moi. Donc au lieu parce que lorsque yon moun a monté yon communauté lorsque moun a monté ou a bralé le descend on nous dit comme ça que si moun sa monté là puisque li là moi même moi là qui ça me fait seul je pour me sentir mal à l'aise c'est râler le descend ça c'est mentalité crabe là ou quand on crabe là yon a panier chaque temps yon a monté l'autre la râler puis il descend. Donc, moun sa là, puisque là, moi-même, moi là, et me senti mal à l'aise avec elle, qu'on y a seul genre pour me sentir mal à l'aise, c'est pour me râler moun nan, c'est pour me râler le dessin. Mais, au lieu, l'on râler le dessin, ça l'a fait beau. Ou déjà là, déjà. L'on râler le dessin, ça fait beau. Ça fait beau. Donc, si moun sa là, au lieu de râler le dessin, vine jouer nous là. Moun sa la, puis qu'ils sont pas montés en haut, vignes venir là. Montez en haut, à joignez. Quittez le cerveau d'inspiration. Pour dire, il n'y a pas de favoritisme là, caille bon Dieu. Même Jean moun sa fait effort, et puis bon Dieu bénit matériellement, intellectuellement, etc. Bénit famille. Moi même tout si me fait mettre certains principes en pratique, bon Dieu est capable de bénir. Donc quittez moun sa servi de modèle d'inspiration. Et dernier bagage m'baldi qui pour gérer l'envie. Dernier bagage qui pour gérer l'envie. Jour senti ou commencer gagner envie dans cœur par rapport à yon moun ou besoin commencer prier pour moun ça et prier pour bon Dieu bénir pi plus. Yon nan jon chasser envie. C'est lorsque on regarde ou commence jaloux, sous jaloux moun à cause de business li gagne, ou besoin commencer à le sous genou et puis vous dire Seigneur, on prie au nom de Jésus, bénis business li a plus. Sous jaloux de li à cause de mariage li, Seigneur, bénis mariage li plus. Sous jaloux de li à cause d'onction, eh bien Seigneur, bénis le, on balle plus onction. Ça que fait ça, pardon, on fait ça. Ou quand on commence à reler, ça reler violence. La Bible dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Pour envie, pas chita la caille, faut violent acte. Satan, le diable, Lucifer, pas de violent acte. Lucifer, pas de violent acte. Le envie commence à monter dans le cœur pour adoration. Bon Dieu, que la pour adoration, bon Dieu gagné, l'état doué by bon Dieu plus adoration jusqu'à ce que envie ça a disparu. Mais l'envie a commencé à monter dans le cœur. Il n'était pas violent. Aujourd'hui, il n'est plus Lucifer. Il est Satan. Parce qu'il était envieux. Que bon Dieu aidez-nous pour envie par jamais chita la caille. Au nom de Jésus. Bye, bon Dieu, bel applaudissement. Alléluia. Gardons bon Dieu. Pour son bon Dieu. C'est où bon Dieu qui fait toute qualité. Mira, moi étonné. Devant puissance sous. M'adorer, m'sé,
Dis gadon, bon Dieu, gadon. Go sans bon Dieu, sans bon Dieu. C'est où bon Dieu? C'est où bon Dieu? Qui fait? Alléluia. M'adorer, oui, m'célébrer. M'adorer. Et m'célébrer. Dis gardons, bon Dieu. Gardons. Au son, bon Dieu. C'est où, bon Dieu? C'est où, bon Dieu? Qui fait? Moi étonné, étonné devant puissance ou devant puissance ou m'adorer, m'adorer et m'célébrer. Nous allons prier sous Proverbe chapitre 34, chapitre 14, verset 30 que nous soutenons. Et nous allons prier très puissant. Proverbe chapitre 14, verset 30. À nous lire ensemble. Lydie, qui ça un cœur calme, est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Garde qui ça en nous mettez la créole. Lydie, les cœurs ou posés, corps ou en, ou qu'un des corps en santé, mais l'air envié sur l'autre monde. C'est un coup une maladie qu'a mangé ou dans zo. Ça veut dire que l'envie li fait moun malade. Li bon vie maladie en dedans l'on envie l'autre monde. Levez mes doigts toi là. Dans minute on va faire prier ça. Concentrez. Et pendant on va faire prier ça, m'dare mon honnête acte tout. Pensez dans cœur. Qui est-ce ou envieux soyo? Qui est-ce de temps en temps envie veut monter dans le cœur par rapport à mon ça. Pardon, fait prier ça. Ou besoin gagner ça dans l'esprit. La Bible dit envie c'est une maladie liée. Levez mes doigts toi là. Dit toute pensée l'envie qu'a pourri dans moi. Toute pensée l'envie qu'a pourri dans moi. Pensez l'envie qui a pourri dans moi. Avant de nous faire prier ça, nous senti bon Dieu dit comme ça, nous avons besoin pour un moment de silence dans le cœur, de repentance d'abord, avant de nous faire prier ça. Alléluia. J'en péché yo, multiplié, nous mandé ou grâce. Péché campé à droite à gauche, nous mandé ou grâce. Dis grâce, grâce, grâce. Pardon Seigneur, grâce. Pour faute nous yo, grâce. Pour faute nous yo. Nous reconnaître péché. On nous dit grâce, grâce. Pardon, Seigneur. Grâce, grâce. Pardonnez-nous. Grâce, grâce. Dis encore, dis grâce, grâce. Pardon. Dis grâce, grâce. Pardonnez-nous. Dis grâce, grâce. Pendant musicien, vous avez joué, prends quelques minutes pour parler avec mon Dieu, une minute ça. Thank you.
grâce. Nous prenons l'heureux. Levez-moi à l'air. Dit depuis ces pensées, l'envie qu'a pourri dans moi. 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 Quatre, dis-le pour qu'on tout. Depuis ces pensées, l'envie qu'a pourri dans moi. Cinq, dis-le plus fort. Depuis ces pensées, l'envie qu'a pourri dans moi. Six, montez plus haut. Depuis ces pensées, l'envie qu'a pourri dans moi. Sept, perfection. Depuis ces pensées, l'envie qu'a pourri dans moi. Allez, force ou dis-moi, comment de romper. We commande romper. Au nom de Jésus. Un, deux, trois, marche, commencez à prononcer ça. Priez ça. Au nom de Jésus de la famille, depuis ces pieds pensées, l'envie, jalousie, qui a pourri dans moi, me commande à soir, c'est pour romper. Au nom de Jésus de la famille, tout esprit envie, tout esprit de jalousie, à soir, au nom de Jésus de la famille, on renonce à vous, on va au nom de Jésus de la famille, c'est pour romper dans la vie, pour pas y accès à la vie, au nom de Jésus de la famille. Au nom de Jésus, tout esprit, envie, jalousie, sous toute forme, fini. Au nom de Jésus, la Zagreb. Commandez-vous, rompez, jalousie, rompez, envie, rompez, à soir, c'est pour apprécier tout ça, pour vous aimer, tout ça, familier, jalousie. Déclarer toute vieille pensée, l'envie qui n'a tête ou qui n'a cœur ou qui n'a nombre. Déclarer, bon Dieu, faut opération à soi. Et me déclarer, bon Dieu, à retirer. Me déclarer, la remplacer par la joie, par le contentement au nom de Jésus. Monde qui fait pi bien passer on a la vie, à partir d'assoir au lieu jaloux, ou bral content pour yo. Au nom de Jésus de Nazareth. Levez-moi les dix gloires.